Nous avons fait Sonic. Nous avons fait Silver, avec des résultats un peu meilleurs. Mais maintenant, je pense qu'on va repartir dans la catastrophe, car il est temps de passer avec Shadow the Hedgehog, qui à mon avis va se jouer à peu près comme Sonic. Alors, pas comme Sonic, mais... Je veux dire, on a joué brièvement Shadow pendant Silver, sincèrement, même si elle a l'air plus cool à manipuler que Sonic, je suis pas convaincu qu'il soit à ce point plus efficace sur certains aspects, mais peu importe. Bonjour tout le monde, ici GA2 et je me retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Sonic 06 Blind. Dans le présent épisode, nous avons réussi à vaincre le boss final de la partie de Silver. Et ça signifie qu'on va plus ou moins abandonner le personnage, ce qui est triste. On le rejouera probablement un tout petit peu pendant la partie Shadow, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais autrement, en avant. SOS coming from Dr. Eggman's base. Our last communication with our agent was 26 hours ago. We expect an immediate rescue, Shadow the Hedgehog. Understood. Initiating the mission now. Donc, désormais, Shadow est un agent secret. The name Shadow. Non, the name the Hedgehog. Shadow the Hedgehog. Ah, ok, pourquoi pas. D'accord, ça sonne comme subtil, comme contrôle. Et nous revoici dans la même montagne qu'on a déjà vu deux fois. Il y a l'espèce de pic derrière. Non, pas cette fois. Ah, donc nous prenons le contrôle de Shadow. Alors, comme j'avais dit à dire, le personnage avait... J'avais déjà joué brièvement le personnage, donc bon. Je connais pas énormément Shadow, je connais deux autres de ses apparitions dans dans l'univers Sonic, du moins avant, à ce jeu-là. Il y avait bien entendu donc, Sonic Adventure 2, où il est un personnage important avec pas mal de problèmes, c'est le cas de dire. Et Shadow the Hedgehog, je crois pas que ça ait un autre titre, où ils ont carrément fait ça un jeu de tir avec des flingues. Le jeu a été vu avec une très mauvaise popularité. Je crois pas qu'il soit à ce point mauvais, même s'il y a pas mal de trucs qui sont très mal faits. De ce que j'ai pu lire dessus, parce que j'ai jamais joué, je pense pas jamais jouer. Le jeu était basé sur du à chaque mission ou chapitre ou peu importe, vous pouvez choisir entre bien ou mal, Sonic ou les antagonistes. Pour atteindre votre objectif qui est de récupérer les 7 émeraudes du chaos et de découvrir qui est réellement Shadow the Hedgehog. De ce que je sais, c'est tout être, il a été créé avec le sang d'une espèce d'alien, machin chose, et à la fin il dégomme l'alien parce que grâce à ça, c'était le seul à pouvoir réellement l'affronter et tout ce qui va derrière. Vous voyez le concept. Cependant, on a déjà failli mourir. N'est-ce pas merveilleux? Oh! La bande de ville. Le premier ennemi et pile derrière il y avait un trou. Alors il a déjà une espèce de ralentissement quand il touche un ennemi, ce qui n'est pas très très bon. Enfin, ça le rend plus lent à utiliser Sonic, ce qui n'est pas nécessairement dramatique, mais en combat c'était probablement le seul moment où Sonic était vraiment fun. Donc ça reste à voir sur l'intérêt de ce changement. Je suppose que c'est pas une catastrophe. Il est moins dynamique que Sonic, donc. Il est plus lent, mais il reste assez rapide. Je sais pas, j'aurais dit que c'est à peu près au niveau de Blaze environ. Donc au moins, il est plus simple à maintenir dans la direction que vous voulez que... Donc je disais, oui, il est plus simple à... conservé en main que simplement Sonic quand il part en vrille dans tous les sens, mais autrement ouais, donc il n'a pas vraiment de pouvoir ou de capacité. Alors c'est vrai qu'on peut,
Il a une attaque au sol qui est cependant bien meilleure que celle de Sonic. Il a ça. Il me semble ouais qu'on peut balancer ces espèces de rayons, mais il les tire tellement. Oh, ça peut être chargé par contre. Kamehameha! Ah! Le problème, c'est que ça a l'air d'être très courte porte. Je veux ça. Ah, je peux pas monter là-dessus, bien entendu. Ah, je veux ce truc-là. Oui. Ah, pourquoi? Parce que je sais que le jeu va être beaucoup moins... Ben, Silver, comme je l'ai déjà dit, et... What? Revenez, les mecs! Mais ils sont tous jetés de... À nouveau, super programmation si elle en est. Hein. Mais sincèrement, les ennemis se sont jetés dans le vide. Je suppose qu'ils doivent pas avoir de pattern pour leur dire oui, tu dois... Enfin, les ennemis ne doivent pas faire ça, mais quand même. Waouh, le jeu ne m'a pas fait passer là où était la médaille de Soliana. Ah, c'était actuellement pas génial, mais tant pis. Je pense pas qu'il y ait d'autres vies dans le coin. De toute façon, le jeu tend à pas être à ce point généreux. Ah oui, les plateformes en pâte à modeler. Ah, par là-bas. Par là-bas. Je vois une médaille. Il doit y avoir un bouton, un interrupteur, où il y a une espèce de grand anneau qui est seul Sonic, Silver, ou enfin que seul les ennemis d'Eggman peuvent tirer. Oh, ok. Puis j'ai remarqué que la présence de ce truc est réellement stupide, parce que ça fait, enfin, sauf si c'est pour dire mes ennemis de ce côté-ci. Oh, ça frappe deux ennemis. Et ça, c'était stupide. Mais bon, j'essaye des choses. Ah, c'est parce que ça les étourdit, ça les tue pas. D'accord, donc c'est l'équivalent du choc mental de Silver. Boum. Chakadaka. Ah, ça c'est... Par contre, j'ai l'impression qu'en fait... Ah oui, d'accord, il les détruit pas, il les envoie bouler. C'est pour ça que son attaque est plus lente. Donc il a un avantage vis-à-vis du fait que... Voilà. Donc ouais, il a un avantage sur le fait qu'il est... s'il y a plusieurs ennemis à la suite, il peut les envoyer les uns dans les autres. Donc le placement est assez important actuellement. Sauf l'agent capturé. Je me demande bien quel est cet agent. Sûrement pas un personnage qui tend à être souvent mis avec Shadow dès que... dans ses équipes ou ce genre de choses. Hein, genre comme dans Sonic Adventure 2. Bref. Ah non. Attends, c'est toi l'agent qu'on vient sauver ou tu participes à la mission? Peu importe, nous prenons le contrôle de Blaze côté Shadow, à savoir Rouge. Rouge est une sorte de chauve-souris, chat, chose. Je sais que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle fait très féline pour une chauve-souris. Après, on dirait c'est peut-être plutôt que c'est une souris avec des ailes. Bon, peu importe. Donc, déjà, elle vole. Enfin, elle plane. Elle grimpe au mur. En fait, c'est Knuckles. Dans Adventures 2, c'était Knuckles. Donc, c'est plus ou moins... On va... Par contre... Quack. Alors, par contre, on peut pas se... sauter des murs. On peut pas en sortir. Là, vous voyez, je suis bloqué sur le mur. Et là, maintenant, j'ai... Bon, attendez. Quoi? D'accord. Il y a des endroits où vous y arrivez. Il y a des endroits où vous y arrivez pas. Bon, c'est pas grave. Là, elle jette des bombes. Ah, par contre, on a un nombre limité. Donc, je suppose qu'il faut pas en abuser. T'as pas d'autres coups? Ben,
c'est cool sur le papier, mais... Le fait qu'elle se batte que en jetant des explosifs signifie qu'elle va être super lente à utiliser à chaque fois qu'il faudra se battre. Oui, je sais, je peux planer, mais... C'est vachement bizarre. Je me vois pas arriver là-haut, en enfin là-bas en planant. Donc on va essayer d'utiliser les murs. Oh d'accord, bon. Ok, les bombes actuellement explosent au contact. Wow, wow. C'est vrai que j'ai pas essayé ça, d'attaquer, de revoir si je pouvais repartir en mode planeur. J'ai pas l'impression qu'on peut. Rings, pas si mal. Oh, ok, d'accord. Donc elle a le même style que Tails. Avec la nuance que ça semble être beaucoup plus facile de viser. Oh, par contre, la portée est pas aussi grande que Tails. À côté de Tails, c'était ridicule. Il pouvait les lancer à 10 km sans la moindre difficulté. Alors, si j'essaye comme ça. C'est un peu dommage, par contre. Bon, d'accord, il faut vraiment que je regarde plus haut. C'est un peu dommage, par contre, que quand on zoome, on a... Le... Non, j'ai pas réussi à casser ce truc-là, encore une fois. C'est pas possible, ça. Oui, on a des manches. Je pense que c'est ses ailes qui... en fait, vous savez quoi? Je suis bête. On va voler. Wack? Ah, quand même! Donc le seul moyen d'obtenir ces simples 10 rings était de balancer une bombe qui atterrissait vraiment sur le... Oh, wow, wow, rebord. Parce qu'autrement, pour casser la glace... Bah, la bombe n'explosait pas quand elle touchait la glace. La bombe semble être automatique dans son... ou à moitié automatique. Rouge va être un petit peu plus intéressante que ce que je pensais utiliser. Ce qui n'est pas du luxe. Parce que... Tails était marrant à jouer, mais... Il avait ses inconvénients, disons. Ça c'était pas voulu mais c'est drôle. Hop, on va récupérer la médaille parce que pour tout elle est là. Hein. Ah non, d'accord, attendez, ouais. Non, elle peut pas remonter en mode vol plané une fois que vous en êtes sorti. C'est pas comme Silver où vous pouvez vous permettre de spam à volonté. C'était super cool ça avec Silver. Ça. Ah! Yeah! Ça, c'est du jeu, les mecs. Je suis stupide. Ah, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher si le jeu me donne ce genre de truc, je vais pas les cacher. Hein. Je vais m'amuser avec. Ah, complètement raté. Sniping! Ah, je l'ai eu. Zut! Un robot m'a vu. Comment ça se fait? Je veux dire, j'étais juste en train de balancer des bombes en boucle. Comment ce robot a-t-il réussi à... Oh, wow. Loin. Bon, par contre, pour... Enfin, par contre, il y a le même problème qu'avec Tails, à savoir... Ah, ils regardent dans la direction des bombes actuellement. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, comme Tails, le problème par contre, c'est que si vous voulez relancer une autre bombe, c'est pas mal. À chaque fois, ça vous replace au centre, donc. Ok, amuse-toi bien. En plus, il s'envole bien sûr à chaque fois vers d'autres cieux dès que la bombe explose. Ce qui est drôle.
Bon, bah, écoutez. Le concept est pas mal. Je veux dire, ça fait bizarre que Rouge balance des bombes. Je m'étais au moins attendu à ce qu'elle ait une vie. Ouh, yes. Une attaque au corps à corps ou... Boum. Mouahaha. Hey! Argent. Bombe, pour toi. Bah, au moins l'avantage, c'est que elle, ça va être relativement... non, trop loin. Beaucoup trop loin encore. À nouveau, la vue qui se remet... Qui se réinitialise à chaque fois n'est pas très très pratique pour pouvoir viser correctement les ennemis. Et... Alors, la bombe est atterrie à côté du robot, a fait exploser les caisses sous le robot, a envoyé le robot dans le projecteur, ce qui l'a détruit. Ça va être énorme. Je veux dire, ça se voit déjà. En plus, le fait que Rouge soit capable de... caméra. Ah, ok, d'accord, je pense pas que ça exploserait, puisque... J'aurais cru que la bombe avait rebondi un peu loin, mais pourquoi pas. Elle est immunisée à ses propres bombes. Ouais, elle l'est. C'est bon à savoir. Il y a des rings en bas. Je sais pas si je vais vraiment m'embêter à espérer le... Ouais, non, on est trop proche d'une... De la fin de sa section, je pense. Ouais. Ok, des rings. Oh, mais il y a des rayons laser et les rayons laser et les rings ne vont pas bien ensemble. Oh oh. Il y a une chose que je sais vis-à-vis de Shadow, c'est que il peut casser des plateformes avec un coup de pied. Non, attendez, c'était pas ça. Et à l'inverse des autres personnages, il a une mécanique qui est liée au véhicule. Oups, j'ai été vu, non, ils savent que je suis là. Le problème, alors je vais tester bien entendu, mais je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas trop de cochonneries qui vont être là pour me rendre fou, parce que j'ai pas super envie de crever enfin j'ai pas envie de perdre une vie déjà. Yeah, Kung Fu. Là, j'ai eu les points. Ouais, j'ai eu les points. Donc, ils sont bel et bien morts. Non, pas lui. C'est combien? Oh là là là. Ça, c'est pas cool. J'aurais vraiment dû aller chercher les rings. Mais, ben maintenant, c'est un peu trop tard, quoi. Bon, il me manque une ring pour avoir une vie. Sois sympa et donne-moi une. Ah, là, la vie, vite, 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 vite. Parfait. Ben, c'est assez triste de se retrouver avec 99 rings. Admettons. C'est le même ou c'est un autre? Non, c'est un autre. Pourquoi il y a autant de véhicules? Eggman, depuis quand est-ce que... Tes robots savent pas. Quack. Quack. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bref, un autre interrupteur pour désactiver ça. Encore un autre. Pour... J'ai aucune idée de quoi. Oh. Non, bon. Je sais pas, je me demandais si c'était pas un interrupteur. Ça a fait apparaître ses rings ou pas? Vous savez quoi, je pose trop de questions. Ah, j'ai l'impression que je défonce la voiture plus qu'autre chose là. Comment j'entre dedans? Parce que ça marche pas là. Ah!
Sauf que, ouais, j'ai l'impression que... Ouais, je lui casse la tronche actuellement. Je suis actuellement en train de défoncer ma propre voiture. Ah, donc je vais arrêter. Je vais pas m'en servir parce qu'elle est déjà faible en vie. Et si le véhicule explose, je sais pas si ça vous tue. Ou si ça vous en éjecte juste en mode, ça veut perdre toutes vos rings. J'ai gagné ma vie avec mes rings, donc je m'en fiche un peu. Mais bref. Ok, alors, comment ça se contrôle? Ouais. Ah d'accord, c'est bouton A pour avancer. Bouton L pour, bouton R pardon, pour tirer. Non, non. Bye voiture. Oups. Ah, elle est revenue. Je sais pas si j'ai confiance en ce machin actuellement. Vous me direz, il y a qu'à expérimenter. Oh. Oh, mais elle a que dalle de solidité, cette cochonnerie. Bah, vous avez bien vu, j'ai perdu la moitié de ma vie super vite. Tue le robot. Ah ok, les attaques au sol sont pas géniales. Par contre, on est peut-être que je m'active un jour. Waouh, je l'ai tué pendant qu'il tombait. Admirez à nouveau la grande programmation parce que... J'étais actuellement... Il était en train de... tomber. Vous savez, dans son animation de chute, mais j'arrivais quand même à l'atteindre avec mes attaques aériennes. C'est beau. C'est du grand art. Alors malheureusement, j'ai été vu. Mais je pense qu'on s'en doutait. Je veux dire, je n'ai pas été très subtil. Subtilité, thy name is not Shadow the Hedgehog. Bon, non, merci. Il y a peut-être quelque chose là-bas. À nouveau, cette zone est un peu perturbée. Ben... Crave! J'ai dit crave! Je me fiche actuellement des rings en elles-mêmes, parce que comme d'habitude, je pense pas que j'aurais réussi à atteindre les 200, mais c'est assez irritant d'être touché par un ennemi qui semble être apparu de nulle part. Voilà, à nouveau, je le tue à distance parce que je suis Shadow apparemment. Voilà. À mon avis, c'est parce que quand je commence mon combo, le jeu part du principe que ben, les ennemis sont à portée de l'attaque. Et même si je le continue... Même si donc, ouais, même... Bah là, par exemple... Ça n'a pas marché, mais... Je pense que si j'arrive à caser le combo sur l'ennemi, ça considère que l'ennemi est toujours à portée malgré le fait qu'il n'a aucune raison de l'être. Je suppose, il y a plein de rings ici. Ça sert à rien vu que comme j'ai atteint les 100, il faut que j'attende le prochain niveau. Mais après, c'est vrai que si je me ramène avec 99 au prochain niveau, ça peut aider. Mais je ne pense pas m'embêter à ce point. Je veux juste me barrer d'ici. What now? Oh, et je repars à 20 km. Crève. Ok, patience écoulée. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, j'étais là-bas, mais bien sûr, il y a un trou entre les deux, et ça, c'est pas visible à cause de la manière dont c'est représenté. Je peux pas aller par là-bas, mais il y a une médaille. Vous savez quoi? On m'en fiche de la médaille. Allez-y, patience écoulée, on se casse. J'avais du fun et puis le jeu m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Donc là-bas il y a le bumper avec les rings, je suppose que je peux les prendre par principe. Par où je continue? Je vais repartir là-bas.
Je sais actuellement pas trop par où je suis supposé aller, puisque cet endroit est super grand, mais c'est pas la première fois, donc je... Les mecs, je savais pas que vous étiez les rois de la glisse. Les mecs. Actuellement, donc, il part en ligne droite jusqu'à ce qu'il atteigne un objectif, j'ai l'impression. Je pense pas que ça soit voulu. Et apparemment, ce truc avait été réactivé sans que je l'active moi-même. Bah écoutez, il était gris chose. Comment j'atteins là-haut? Probablement. Ok, d'accord. Vous allez me faire plaisir et décéder en enfer. Encore un groupe d'ennemis, mais eux ils servent à rien en fait, parce que je peux juste les ignorer. Y'a rien. Si, il devait y avoir une médaille. Par contre, pour atteindre le haut de ce poteau, il va falloir que je me lève de bonne heure. Là, ce truc là-haut. Ça va pas l'air de servir à quoi que ce soit de toute façon. Ah, c'est là-bas, ok. Comment je l'atteins là-bas? Déjà, on va casser ça et s'éloigner avant que le robot ne me tombe dessus. Et là, je suis juste revenu au tout début, donc c'était pas super utile. Désolé, ouais, je suis actuellement un peu perdu. Ah, et maintenant, ça s'est réactivé. J'aime quand les zones se réinitialisent. D'accord. Donc ça, je vais l'ignorer actuellement, parce que j'ai pas de raison réelle de m'embêter avec. Toi, je vais t'atomiser. Si, ouais, c'est bon, t'es mort. Bah je l'ai dû pour que, comme là je suis à nouveau proche des 100 pseudos, même si je doute de pouvoir les récupérer. Attends. Parce que le jeu aime faire apparaître des ennemis dans votre face. Par là-bas il n'y a rien j'imagine, non il n'y a rien, par là-bas il n'y a rien, par là-bas il y a encore l'espèce de voiturette donc je ne veux pas. Peut-être qu'elle est nécessaire actuellement. Ok, reviens là, toi. J'aimerais bien compenser la vie que j'ai perdue, si c'est possible. Ça m'a l'air difficile. Mais déjà, je sais même pas par où je dois continuer. Alors là-bas, j'y suis déjà allé, mais il n'y a rien. Oh la vache! Déjà, rien que le premier niveau. Attendez, je vais aller réactiver ça parce que il me semblait qu'il restait désactivé la dernière fois, mais peut-être pas. C'est vrai qu'il y a ça, mais quand je l'active, ça me donne un gros paquet de rings, ce qui actuellement m'intéresse. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai compensé la vie perdue, ça c'est déjà bien. Parce que j'aurais pas pu récupérer une autre vie comme ça dans le niveau. Donc c'est comme si vraiment là j'avais récupéré sans rien perdre. Mais maintenant la question c'est comment je sors de cette zone. Parce que j'ai couru dans tous les sens et j'ai rien trouvé. J'aurais dû trouver cependant assez idiot que votre véritable ennemi dans ce genre de niveau, ça soit pas les robots qui parsèment la zone, mais juste les trous sans fond. Mais c'est peut-être juste moi. Donc comment est-ce que je peux passer de l'autre côté? Est-ce qu'il faut vraiment que j'utilise les véhicules? De toute façon, je peux pas passer par là. Donc non, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par là-bas. Et j'espère... Ah d'accord, c'est caché sous la neige. Logique. Non, j'avais cru voir une plateforme de... Non, bizarrement là je vais pas pouvoir me mettre en...
Marcher sur une pente à quasi 90 degrés. Alors, non, mais il me semblait avoir vu quelque chose là. Bah, ça semble être le seul moyen de rejoindre là-bas. Mais j'ai pas confiance en Shadow pour pouvoir passer cet obstacle là. D'accord, ok, ma boîte. Je ne savais pas que Shadow pouvait marcher sur les murs. Bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est non? C'est ça? Je... Peut-être que je tue les méchants robots avant. Ce qui est compliqué. Puisque Shadow... Je préfère viser ce qu'il y a autour. C'est bien par là qu'il faut aller. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que je suis supposé utiliser la voiture pour tout détruire d'abord? Ben, je peux détruire certaines choses, mais pas beaucoup. Oh là là, ça a l'air mauvais. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Non, ah, je sais pas s'il y a une marche arrière actuellement. On va juste espérer pouvoir tourner. Voilà. Faudrait que je teste quand je peux pour la marche arrière. Doucement. Alors, a priori, il y a un ennemi. Ok, on va arriver d'Archie. Même problème qu'avec le coup du apprendre à viser. Oh, d'accord. Et il m'a touché au travers du mur. C'est pas grave. Au contraire, c'est même bien parce que si je m'étais ramené dans le prochain niveau avec plus de 100 rings, il m'aurait probablement empêché d'en obtenir plus. Donc, c'est pas mal au final. Ouais, ouais, j'appuie. Alors... saute. Eux, je préfère les vaincre à coups de pied plutôt qu'avec un véhicule armé de missiles. Ça peut faire bizarre, mais en vérité, ça ne l'est pas. Donc, on va repartir de l'autre côté et espérer que la voiture soit revenue. Parfait. On va sauter dedans. On testera le coup de la marche arrière après, ok? On va juste monter jusqu'ici. Essayer de tourner. Ah, c'est le bouton X. Ok, bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bah à côté, là, j'avais pas trop d'options. Je me dirais. Voilà, je suis sûr que vous aviez jamais vu Shadow. En train d'utiliser une voiture et non, je peux pas l'atteindre. Ok, ça a le coup d'essayer. Oh, je peux. Non, non, je casse le truc quand même. Attendez, vous croyez quoi? Donc, malheureusement,
Alors, est-ce que je suis supposé casser toutes les tours? Zut, 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 zut. Bon, a priori, Shadow est relativement invincible pendant cette attaque. Parce que là, comme vous pouvez le constater, je me prends leurs bras dans la face et je les ignore complètement. Waouh, je vais me prendre un rang D en premier. Voilà, au moins vous, vous êtes mort et vous allez me laisser tranquille. Il y a encore un buggy armé ici, mais... Et là-bas, il y a des choses, mais j'ose espérer que... Non, non, c'est juste pour rêver. Comment je suis supposé continuer? Moi, je pensais que c'était par là-bas, mais... Après coup, j'ai eu l'impression que je ne pouvais faire ça que si j'avais réussi à passer à détruire les tours. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque... D'une, déjà, je croyais que le concept, c'était discrétion. Ce qui ne semble pas être le cas, vu que je détruis tout. Oh... Et puis, j'en sais rien, moi... Non, sérieusement. Est-ce que je suis supposé trimballer le buggy un peu dans tous les sens? Mince! Comment je sors d'ici? Je vais retourner là-bas pour voir, peut-être que maintenant ça c'est... NON! Oh, j'ai encore oublié cette saleté. Oh bon sang, je sens que j'ai abandonné là actuellement, ça commence déjà à être lourd. Comment je finis ce maudit niveau? Je me fiche de vos informations. Sortons d'ici au plus vite. Comment je finis ce fichu niveau? 5. Oh, merci. Bon, bah ça, je l'avais raté. Génial. Oh. C'est même pas réellement de l'énervement, c'est juste de l'irritation. Parce que j'ai vaincu la quasi-totalité des ennemis, j'ai détruit masse de choses. Et le truc qui se passe, c'est... Oups, t'avais oublié qu'il y avait ce petit rubber. Au revoir, tu recommences, tu. Et c'est relativement super naze. Pourquoi on contrôle pas rouge? Rouge peut détruire ces saletés de projectiles en un éclair. Pourquoi est-ce que Shadow, t'es nul? Laisse rouge faire le boulot, ok? Non, bien entendu que non, parce que c'est Shadow le héros. Ou l'anti-héros, quoi. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Bon, ben, je pense que je vais faire une coupure pour la première fois, parce que je crois pas que j'ai fait beaucoup de coupures juste là, mais ce niveau m'énerve. Avec ces saletés de... Hop, tiens, ça va tomber dans le vide. Maintenant, parce que ça nous arrange. Et tu recommences tout, trois fois. Ben, si à chaque... Si au moins j'étais tombé tôt dans le vide, je dirais rien. Mais à chaque fois, c'était au bout de une demi-heure de jeu... Donc coupure. Et à nouveau, ce truc est bugué, probablement parce que j'y suis pas passé du bon, par le bon sens. C'est bien fait.
Voilà, je dois imaginer que ça fait 5. Ah, fallait littéralement juste détruire les 5. Fun. Bon, je vais pas mentir, c'était pas si mal une fois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. C'est parce que j'ai pas fait attention en fait les premières fois, j'imagine. Mais c'était long. C'était irritant. Je vais pas faire de coupure, je vais faire en accéléré, j'imagine. Et bon, j'ai pu récupérer la vie. Au moins, c'était facile de régénérer les vies perdues. C'est juste que les simples gouffres presque invisibles à cause du de la neige, ça n'aidait pas. Ah, bref, on va sauvegarder et on va voir à quoi ça ressemble après. Mais je pense que je vais mettre pause au début du prochain, comme d'habitude. Quack. Don't you wanna know what this is? Ok, pas... Oh, mince! Bon, bah, vous savez quoi? On va carrément... On va, d'accord. Moi, je voulais juste mettre pause de la cinématique, mais apparemment, vous n'avez pas le droit, donc... Je suspends, comme j'avais sauvegardé, je relance, pas grave. Je voulais juste mettre pause, parce que il commence en disant que c'est une mission de sauvetage... pour aider un agent, on retrouve Rouge à l'extérieur de la base, donc c'est très certainement pas elle qu'il fallait sauver, et ils en sortent avec un objet qu'on a déjà vu, même si on n'a pas son nom actuellement, et pas d'explication, rien, bon, c'est pas grave. Donc le mec, en fait, ils l'ont abandonné à son sort, j'imagine. Cependant, donc, avec ça, je pense que je vais m'arrêter ici, et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on continue Shadow. En toute honnêteté, j'attends de voir. J'ose pas trop juger à partir de ce seul niveau. Ah, parce que les deux choses qui m'ont vraiment irrité, c'est d'être tombé deux fois de suite dans le même gouffre. Autrement, je suppose que ça allait. Ah, même les véhicules, par contre, me paraissent un peu naze comme concept. Puisque vous avez pu voir que déjà, ils visent la première cible à porter. Même quand elle n'est pas réellement visible pour vous. Je veux dire, quand j'étais dans le véhicule, proche d'un rebord et que ça tirait... Dans le sol, parce qu'il y a un ennemi qui était pile à côté, en dessous du rebord, c'était stupide. Mais bon, c'est autoguidé. Leur vie, à mon avis, m'inquiète par contre. Je sais pas si quand ils explosent, je me perds une vie ou si je me fais juste éjecter en perdant des rings. Mais ouais. Cependant, voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous retrouve la prochaine fois pour qu'on continue. Ou plutôt qu'on reprenne Shadow the Hedgehog. Donc d'ici là, ciao!